Bonjour les gens, ici dans Device aujourd'hui une boîte avec un point d'exclamation. Oh là là, une carte au trésor! Ils le trouveront jamais! Mon joli trésor! Il était à New Haven! Plus maintenant, à moi! Dispersez la carte! La donnez aux bandits! Personne ne le retrouvera! Personne! Wow! On dirait que ce type parlait du trésor des bandits de Old Haven. Toi! Tu retrouves les trois autres morceaux, le trésor sera à toi! Le problème, c'est que personne ne sait qui les a. C'est forcément moi, un sémaphore. Trop du cul. Alors continue à tuer les bandits. Et croise les doigts. Donc ouais, le but c'était de tuer du mob. Parfait, un bout de la carte. Un indice menant au trésor de Old Haven. Il y avait un groupe de types. Dans ces carlates. Ils bossaient pour la société Atlas. Ils ont essayé de nous tuer. On s'est bien marré. Le trésor que tu cherches appartenait au dernier d'entre eux. Ouais, bon. Avec poumons écrasés. Tuez-toi. Demain, ça va bien gérer les blessures. Ah, là-bas, il y a un plan. Quand on a tué leur général, les rescapés ont eu le choix de rejoindre notre camp, à New Haven, ou de se la jouer solo. Ceux-là se sont installés à Old Haven, et se sont mis à détrousser et buter tous ceux qui passaient un peu trop près. Un énième bout de plan, parfait. Au bout de quelques semaines, Roland et Lilith se sont rendus à Old Haven et ont liquidé les derniers gars de la lance écarlate. Ils n'arrêtaient pas de parler d'un trésor, d'un putain planqué quelque part. Nice. Tu as tous les morceaux de la carte, hein. Tu devrais aller vers les caustiques cavernes et suivre les indices. Si tout se passe bien, tu toucheras le pactole, Mastoc. Suivre les indices. Sous les rails en métal trempé, dans l'entrepôt sur le rivage, dans l'ombre du mineur, dans la redoutable 6E de dalle. C'est vraisemblablement sous... Enfin, dans les caustic caverns. Et ça... C'est bien. C'est une zone que j'aime beaucoup trop. Je sais pas, c'est personnel. Alors la sixième de dame. Allez-y, piquez-moi. Il était mort. Mort qui pique. T'es mort. Oh my wa. Mouchine délu. Nani. 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 Le fait qu'il y a un délai sur le retour de dégâts, ça fait chier. Nani. Nani. Alors, sous les rails de métal trempé, là-bas, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu un... un levier, donc ça doit être par là. Voilà. Sous le rail de métal trempé, dans l'entrepôt sur le rivage. Alors, le rivage.
de quoi il parle. Bah d'accord, moi qui voulais pas utiliser de balle. C'est dommage. La musique du combat dans cette zone avec la petite guitare. Alors, juste par rivage, le rivage c'est près de quoi? D'une mer. Ah ah, une mer, donc ça doit se situer dans le coin entrepôt. Parle certainement de cet endroit avec tous les. Tous les petits trucs qui vont se suicider sur moi, ça va être rigolo. Peut-être qu'il faut se rendre vers sa tombe. Attendez, est-ce que le truc va nous donner des indices? Bon, on ne peut pas être là-bas. Ça remonte en fait à plusieurs mois, voire années. Mais je sais que c'est dans le cas.
Est-ce que... Petite question que je me pose, est-ce que les creepers ont été remis à niveau... Non, pour se voir que les ennemis sont niveau 30. Ça veut bien dire qu'il y a eu une forme de remise à niveau. Mais remise à niveau à quel point? Genre, même les creepers? Genre tout? C'est une vraie question que je me pose. De toute façon, à chaque mission dans les Caustic Caverns, j'ai l'impression que vous allez la faire cette... Vous me dites si ça fait chier, hein. Mais après tout, c'est aussi mes vidéos. Ah, reprise. Voilà. Effectivement, remise à niveau. Table 6 E de dalle. Ouais, c'est l'endroit où ils sont tous morts, quoi. Donc, voilà. L'ombre du mineur. Ça, c'est un mineur. Ah bah. Ah. Ah. Oui, parce que ça, ça mine. C'est le mineur. Et on est au niveau de son ombre. Malin. La 6 E de dalle, par contre, c'est là-bas. Il y aura des grenades. Même pas. Oh, je suis déçu. Ah, nice, c'est gros gros. Voilà, c'est ici là, si c'est fait. J'ai suivi les indices. Et le dernier étage du complexe. C'est un kiff, quoi. Il y en a plein qui ne l'aiment pas. Mais les gars, je comprends pas. Cette zone est trop bien. Je sais pas ce que...
les gens en compte, mis à part le fait que ça peut faire de laguer des fils. Rien à battre quoi. J'ai pas l'impression de la contrôler bien. Je sais pas, c'est pas bugué. On peut y toucher, voir si c'est un pas problème avec. Plus tard. Vous avez trouvé le trésor enterré? Trop fort. Évite ça. Floated Dalminator. Et bien voilà, nous avons accédé au Dalminator. Ainsi qu'un autre flingue E-Tech. On va se séparer de deux trucs. Par contre, what the fuck? Non, par contre, voir vraiment what the fuck en fait. Ah, d'accord. Bien. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée. Puis à demain pour un nouvel épisode de Borderlands. Ciao!